dire que c'était lui. Que c'était lui? Oui. Qui donne qui? Ah. Tu peux y aller. Mesdames et messieurs, bonjour et bienvenue à la cérémonie de fin d'études du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick, campus de Bathurst. Nous vous invitons à vous lever pour accueillir nos dignitaires. Thank you.
Veuillez vous asseoir. Finissants et finissantes, mesdames et messieurs, distingués invités, je vous présente votre maître de cérémonie, M. Serge Carey, enseignant au programme de technologie de l'ingénierie du bâtiment. C'est avec plaisir que je vous présente votre maîtresse de cérémonie, Mme Rachel Mazerolle, coordonnatrice et enseignante du secteur des sciences de la santé. Nous célébrons aujourd'hui de nombreux accomplissements de nos vedettes du jour qui complètent leur parcours au CCNB. Nouveauté cette année pour réduire notre empreinte carbone et faire notre part pour l'environnement, le programme vous est offert via notre plateforme numérique. Vous avez sans doute remarqué les codes QR un peu partout dans l'édifice et à l'écran. Pour accéder au programme, vous n'avez qu'à numériser le code QR avec votre téléphone. Nous vous invitons à vous lever pour l'hymne national interprété par M. Israël Mumbalamat Mpoyi. Canada, terre de nos aïeux, dont front et sein de fleurs en glorieux, car ton bras s'est porté le paix, il s'est porté la croix. Ton histoire est une épopée de plus d'exploits et ta valeur de foi trempée. Monsieur Mumbalamat Mpoyi, veuillez vous asseoir. Nous souhaitons prendre un instant pour reconnaître respectueusement que le CCNB œuvre sur les terres ancestrales des Premières Nations, soit le territoire Mi'kmaq, le territoire Malécite des Wallacetoké et sur le territoire Pamaskwadi. Nous souhaitons souligner les contributions ancestrales et culturelles des Premières Nations et de continuer à travailler en harmonie pour le développement de nos communautés. Nous soulignons également les contributions de toutes les communautés culturelles. Nous affirmons ainsi notre engagement commun de respecter toutes les cultures et de renforcer nos relations en faisant preuve d'une meilleure conscience, compétence, équité, diversité, inclusion et collaboration. Permettez-nous de vous présenter les dignitaires sur scène. Nous les remercions de bien vouloir se lever lorsque nous les nommerons. Nous vous demandons de réserver vos applaudissements pour la fin des présentations. Son honneur, l'honorable Brenda Murphy, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick. Le président du Conseil des gouverneurs, M. Denis Nadeau. Le président-directeur général du CCNB, M. Pierre Zundel. Notre oratrice invitée, la mairesse de Bathurst, Mme King Chamberlain.
Nous poursuivons avec les membres de l'équipe de direction du CCNB. La vice-présidente à la formation et la réussite étudiante, Mme Diane Sénécal. La vice-présidente au service administratif, Mme Jamie Laplante. Le vice-président au développement, M. Cyril Simard. La directrice de la gestion stratégique, Mme Marie-France Doucette. Maintenant, nous vous présentons les doyens et doyennes des différentes écoles du CCNB. Le doyen des écoles des métiers, M. Michel Caron. Le doyen de l'école TIC, technologie et transport, M. Alain Lamarre. La doyenne de l'école des sciences de la santé, Mme Julie Cyr. Le doyen de l'école des arts, hospitalité et services communautaires. Il est également doyen de l'école des pêches et des ressources naturelles, M. Gérald Lausier. Le doyen de l'école des études préparatoires et des langues, M. Pierre Clavette. La doyenne de l'école des affaires et de la bureautique, Mme Marie-France Bérubé. Le directeur de la gestion intégrée des inscriptions et registraires, M. Juan Manuel Toro Lara. Pour compléter, voici les membres de l'équipe de gestion du campus. Doyen associé, programmation et sécurité informatique, M. Bobby Bouchard. Doyen associé, génie, dessin, design et transport, M. Paul Thériault. Doyenne associée, mécanique motorisée, Mme Lise Godin. Doyen associé, industriel, M. Alain Gauvin. Mme Mylène Roy, directrice adjointe des services administratifs. Mme Julie Lefrançois, directrice adjointe à l'apprentissage et la réussite étudiante. Ainsi que la représentante de la registraire adjointe, Mme Anne-Édouard Boudreau. Nous profitons également pour souligner la présence de distingués invités. Et parmi nos distingués invités, Mme Laurie Friolet, porte-parole des finissants et finissantes, ainsi que M. Pecos Nochao, président de l'Association des étudiants collégiaux du campus de Bathurst. Pour terminer, nous soulignons la présence des membres du personnel du campus. Chers collègues, je vous invite à bien vouloir vous lever. Les collègues, chers collègues, vous pouvez tous les applaudir. Maintenant, c'est avec plaisir que je vous présente le président-directeur général du CCNB, M. Pierre Zundel. Avant de devenir PDG au CCNB, M. Zundel a été, entre autres, recteur de l'Université Sudbury, recteur par intérim de l'Université Laurentienne à Sudbury, vice-recteur aux études à cette même université et président du conseil d'administration de l'École de médecine du Nord de l'Ontario. M. Zundel procède plus de 37 ans d'expérience dans le domaine de l'enseignement et de la recherche postsecondaire. Il a enseigné la foresterie à l'Université de Toronto, l'Université de Moncton et l'Université du Nouveau-Brunswick. Sans plus tarder, nous invitons le président-directeur général du CCNB, M. Pierre Zundel, à vous adresser la parole. Bonjour tout le monde. Quel plaisir d'être ici avec vous. Normalement, on commence un discours en remerciant les dignitaires d'être présents. Et je vais faire ça dans un instant, mais avant de commencer, j'aimerais vous expliquer, pour ceux qui ne sont pas nécessairement natifs du Canada, qu'au Canada, le chef d'État n'est pas en fait le premier ministre, mais le représentant de la reine ou la représentante de la reine, la gouverneure générale. Et dans chaque province, la gouverneure générale nomme une lieutenante gouverneure qui est la représentante du roi dans la province. Et donc, on a le très grand honneur aujourd'hui d'accueillir Mme Brenda Murphy, qui
qui est la lieutenante-gouverneure pour le Nouveau-Brunswick, qui est ici avec nous aujourd'hui. Je veux la remercier de sa présence énormément. Donc, distingués invités, dignitaires, collègues, chers parents, chers amis, et évidemment, particulièrement, chers finissants et chères finissantes. C'est un grand honneur pour moi d'être ici avec vous pour célébrer la fin de vos études et l'aboutissement de tous vos grands efforts et de votre détermination. Au nom de toute la communauté du CCNB, je tiens à vous dire, nous sommes très fiers de vous. Avant d'entrer dans la matière de mon discours, j'aimerais juste indiquer qu'un de mes collègues qui est à son téléphone n'est pas en train d'envoyer des notes à sa conjointe. Notre vice-président, en fait, va faire un gazouillis en direct de la cérémonie. Alors, vous allez voir prendre des photos et envoyer des textes. C'est ça qui se passe là-bas. Donc, aujourd'hui, j'espère aborder trois points cruciaux. L'importance de votre carrière dans votre vie, son impact sur la communauté et le rôle déterminant que vous allez jouer dans la résilience de notre société. Mais avant d'amorcer ces thèmes très sérieux, j'aimerais prendre un moment pour savourer le moment dans lequel on se trouve. Quel bonheur de vous voir ici. Chaque année, ces cérémonies vont recharger mes batteries, vont réanimer mon enthousiasme et celui de mes collègues, et me rappelle la raison pour laquelle on déploie tous les efforts qu'on déploie. Souvent, dans le tourbillon des préparations de la fin de l'année, avec des moments de doute, des plans avec la famille et les amis, on oublie d'arrêter et d'apprécier le moment. Ce moment de bonheur pur qui est une célébration comme celle-là. Dans quelques instants, je vais vous demander de fermer vos yeux et de prendre un moment pour apprécier le moment. Respirez profondément. Pensez à la beauté et la joie qui vous entourent. Vous êtes ici, entouré de votre famille, de vos amis, de vos collègues de classe, de vos enseignants et enseignantes. L'été est là, fait beau, et vous venez de terminer vos études. Vous êtes prêts? On prend 5 secondes pour apprécier le moment en se fermant les yeux et en respirant. Ah, OK. Là, on peut aller dans la matière. Le philosophe écossais William MacCaskill nous invite à réfléchir en fait que nous disposons de presque 80 000 heures dans une carrière typique. C'est beaucoup, 80 000 heures. Chacune et chacun d'entre nous, souhaitant mener une vie épanouissante, doit prendre au sérieux la question de sa carrière. Comment allez-vous investir et passer ces 80 000 heures? Au CCNB, on essaie aussi de parler de projet de vie-carrière, au lieu juste de parler de carrière, mais néanmoins, la carrière est très importante. Au cours des prochaines semaines et des prochains mois, vous allez intégrer le marché du travail. Peut-être que dès le premier jour, vous sentirez que vous avez trouvé votre place et que vous pouvez, avec grand bonheur, passer les 80 000 heures qui vous restent dans ce contexte-là. Il est aussi possible qu'au bout d'un an, 2 ans, 5 ans, vous ressentiez le besoin d'un changement. Vous pouvez apprécier vos fonctions actuelles, mais être curieuse ou curieux de savoir si un autre métier vous conviendrait mieux. Peut-être envisagez-vous de lancer votre propre entreprise après avoir travaillé pour une grande compagnie pendant quelques années. Pardon. Gardez l'esprit ouvert et osez. Le CCNB a été votre chez-vous pour les derniers mois, les dernières années.
mais sachez que vous serez toujours les bienvenus ici. N'hésitez pas à revenir, à vous ressourcer, à rencontrer vos anciennes enseignantes et enseignants et à partager vos succès. J'espère que le CCNB continuera à être un phare tout au long de votre carrière. Maintenant, j'aimerais parler un petit peu encore des 80 000 heures et des contributions que vous pouvez faire à votre communauté avec ces 80 000 heures. Merci. Ces dernières années, on a toutes constaté à quel point des facteurs mondiaux peuvent bouleverser nos vies quotidiennes. La pandémie, l'invasion russe de l'Ukraine et d'autres facteurs géopolitiques ont fait monter les prix d'essence, ont fait créer d'énormes pressions d'inflation et d'autres stress géopolitiques qui ont une pression sur nous aussi. On ne s'en échappe pas ici au Nouveau-Brunswick. Ce n'est pas possible de surmonter ce genre de défi seul. Seul un tissu social solide permet de traverser les hauts et les bas en préservant la qualité de vie que nous connaissons au Canada. Donc, en devenant des citoyens et citoyennes actifs, en vous engageant dans vos communautés, en faisant du bénévolat, en votant, en prenant part aux élections peut-être comme candidat ou candidate, vous faites plus, en vous engageant dans votre carrière, vous faites plus que gagner un salaire, vous soutenez votre communauté et en ce faisant, la communauté va vous soutenir. Ainsi, je termine en vous invitant à réfléchir sur ces paroles de M. Kumarapa qui sont extraites d'un de mes livres favoris qui s'appelle « Small is Beautiful » de l'économiste Ernst Friedrich Schumacher. Et je cite, « Le travail nourrit et stimule les penchants nobles de l'homme. Il le pousse au mieux de ses capacités. Il dirige son libre arbitre sur la bonne voie. Il discipline le côté animal qui se trouve en lui en le canalisant progressivement. Il procure à l'homme un excellent fond pour découvrir son échelle de valeur et développer sa personnalité. » Donc, chères finissantes, chers finissants, je vous adresse une nouvelle fois mes très sincères félicitations. Rêvez courageusement, travaillez fièrement et savourez chaque instant, petit et grand. Je vous souhaite à chacun et chacune d'entre vous, tout le succès que vous méritez. Merci, M. Zundel, pour vos messages d'encouragement. J'invite maintenant le président de votre association étudiante, M. Pecos Nochao, à vous adresser la parole. Distingués invités, enseignants et enseignantes, membres du personnel, parents, amis et vous, chers diplômés, bienvenue à cette mémorable cérémonie de fin d'année. Je suis Pecos Nochao, nouveau diplômé du programme Administration des affaires. C'est avec une grande fierté et une profonde gratitude que je me tiens devant vous aujourd'hui en tant que président sortant de notre association étudiante. Cette cérémonie de remise des diplômes marque une étape importante dans nos vies et je suis honoré de prendre la parole en cette occasion spéciale.
Tout d'abord, je tiens à exprimer mes plus sincères remerciements à chacun d'entre vous, mes collègues de l'association étudiante. J'ai nommé Fatia, Mireille, Aïssatou, Louis, Laurie, Anas, Anis, ainsi qu'à notre coordonnatrice à la vie étudiante, Jessica Roussel. Votre dévouement, votre travail acharné et votre passion ont été essentiels pour le succès de notre association cette année. Ensemble, nous avons travaillé main dans la main pour défendre les intérêts des étudiants et organiser des événements inoubliables. Vous êtes une équipe exceptionnelle et je suis fier de chaque membre qui a contribué à notre réussite. En effet, cette année, nous avons démontré notre capacité à nous adapter, à innover et à surmonter les obstacles. Nous avons démontré notre détermination à réussir et notre volonté de nous élever collectivement. Nous avons développé des compétences, acquis des connaissances et créé des liens qui nous serviront tout au long de notre parcours. Je voudrais également adresser mes remerciements à l'ensemble du personnel, aux enseignants du CCNB Campus de Bathurst. Votre engagement envers notre réussite académique et notre développement personnel a été remarquable. Vous avez été autant pour moi des guides, des mentors et des sources d'inspiration tout au long de notre parcours collégial. Votre passion pour l'enseignement et votre soutien constant ont joué un rôle déterminant dans notre réussite et nous vous en sommes extrêmement reconnaissants. Je tiens également à remercier notre PDG, M. Pierre Zundel, en cette occasion. Votre écoute active envers la communauté étudiante a véritablement marqué notre année collégiale. Votre ouverture d'esprit, votre volonté de comprendre nos besoins et vos actions pour y répondre ont été exemplaires. Nous sommes privilégiés d'avoir un dirigeant qui accorde une telle importance à l'épanouissement et à la réussite des étudiants. Votre soutien et vos encouragements ont été essentiels pour notre parcours et nous vous en sommes profondément reconnaissants. Enfin, à tous mes camarades, en tant que nouveaux diplômés, vous êtes les nouveaux ambassadeurs du CCNB. Je vous invite donc à joindre l'association des anciens et anciennes et amis du CCNB et de promouvoir ses valeurs d'excellence, d'innovation et de réussite. Votre parcours au sein de cette institution renommée vous a doté de compétences ainsi que d'une solide base pour progresser dans votre domaine. Il est important de reconnaître et de valoriser ces acquis dans vos futures opportunités professionnelles. Sur ce, je vous souhaite à tous une bonne chance dans vos projets futurs. Merci. Merci, M. Minuchao, de votre implication auprès de votre association étudiante. Afin de poursuivre avec un message inspirant, j'invite M. Caron à présenter notre oratrice invitée de cette année. Bonjour à tous et à toutes. Il me fait un immense plaisir de vous présenter l'invité d'honneur de notre cérémonie, l'infatigable maire de Bathurst, Kim Chamberlain. Madame Chamberlain est l'incarnation parfaite de la notion d'autodétermination. Depuis son plus jeune âge, elle se distingue comme une personne audacieuse, intrépide, qui n'a jamais craint l'échec et qui a toujours préféré sortir des sentiers battus. Après avoir obtenu son diplôme à l'école secondaire Nipisiquit, elle a cumulé des expériences de travail variées à Victoria, Bathurst, Montréal, avant de décider, à l'âge de 25 ans, de retourner sur les bancs d'école pour étudier en administration des affaires, ici même au CCNB. Sa carrière a ensuite pris un tournant remarquable dans les centres d'appel, où elle a gravi les échelons pour devenir directrice nationale de Polara de 1995 à 2011. Suite à la fermeture du centre d'appel à Bathurst, elle s'est réorientée vers le développement d'entreprises et l'immigration dans la région de chaleur et parcourra le globe pour vanter les atouts de notre région. Élue conseillère municipale de Bathurst en 2016, elle accède à la mairie en 2021. Je vous invite à vous joindre à moi pour accueillir chaleureusement notre oratrice du jour, la maire de Bathurst, Kim Chamberlain. Bon, bonjour. Et là là, quand on m'a demandé, je suis comme, OK, je ne suis pas gênée, mais c'est beaucoup. Monsieur et Madame les maîtres de cérémonie, son honneur honorable Brian Murphy, lieutenant-gouverneur du Nouveau-Brunswick,
Monsieur le Président du Conseil gouverneur, Denis Nadeau, Monsieur le Président directeur général du CCNB, Monsieur Pierre Zundel, les membres de l'équipe de direction du CCNB, les doyens et doyennes de différentes écoles du CCNB, les membres de l'équipe de gestion du campus, les finissantes et finissants 2023, parents et amis, mesdames et messieurs, bonjour. C'est tout un honneur pour moi d'être invitée à la cérémonie de remise de diplôme du CCNB Campus de Bathurst. Étant moi-même finissante d'un programme d'études en ce même campus, je dois vous dire que cette invitation a ravivé plusieurs souvenirs de mon temps passé dans les mêmes corridors, les mêmes salles de classe que vous, et mon professeur qui m'a remarqué ou qui m'a marqué le plus était ici, Mme Diane Boucher-Mondeau. Vous avez tous et toutes une partie de votre cheminement personnel et professionnel qui se complétera sous peu lorsque vous obtiendrez votre diplôme. Ensuite, toute une vie d'occasions et de défis qui vous attend. Dans ce contexte, afin de vous offrir une perspective assez particulière, j'ai choisi de vous partager mon histoire personnelle, un cheminement qui n'est pas du tout orthodoxe, mais un trajet de vie qui a fait en sorte que je suis ici devant vous aujourd'hui à titre de mairesse de la ville de Bathurst, la première femme à assumer le rôle de la ville. Je le dis avec grande fierté. Je ne serai pas la dernière femme. Mais dans mon adolescence, si on m'avait demandé que j'avais l'ambition de pouvoir un jour servir ma communauté en tant que membre du conseil municipal ou devenir mairesse, je pense que j'en ai ri, puis un petit peu trop. Mais ayant grandi à Petit Rocher pour une bonne partie de ma jeunesse, à l'âge de 15 ans, je suis déménagée dans le secteur sud de Bathurst. Notre situation ne sera pas étrangère pour le nombre de personnes qui sont dans la salle aujourd'hui. Nous étions une famille monoparentale et pauvre, très pauvre. Nous étions 5 enfants, un garçon plus vieux que moi, et 4 filles, dont j'étais la plus vieille des sœurs. Chaque jour a été un défi. Par la force des choses, j'ai dû assumer le rôle principal pour mes sœurs. Avant même de penser aux besoins d'aller à l'école, plus important encore était le besoin de s'assurer qu'on avait de quoi à manger. Ça a été la réalité. Je me devais de voir au bien-être de mes sœurs. Ce n'est pas une responsabilité que je voulais. Qui voudrait avoir cette responsabilité dans son adolescence? Mais j'ai dû l'assumer. S'il y en a qui se demandent pourquoi je suis fonceuse aujourd'hui, eh bien, le coup du destin a fait en sorte que c'est une dure leçon que je devais apprendre avant même que je devienne une adulte. À travers toutes ces difficultés, j'ai réussi mes études secondaires. Mon diplôme, j'en étais plus que fière. Pour moi, il représentait plus que les études. C'est un document témoin qui me disait que j'avais accompli mon devoir et un devoir de vie. Un que j'ai cru à plusieurs moments que j'allais faillir. Mais la réussite de ma jeunesse, je l'avais dans mes mains. Ceci est mon moment déterminant numéro un. Après mes études secondaires, afin de m'établir mon indépendance, j'ai plié bagages et j'ai traversé le pays au complet pour me rendre à l'île de Victoria en Colombie-Britannique. Rendu là, j'ai déniché un emploi dans une boulangerie. Pour les 2 prochaines années, j'ai progressivement assumé plusieurs rôles, chaque rôle ayant de différentes responsabilités. De plus,
La force ouvrière était variée, avec des gens de différentes ethnicités, de différentes cultures et parlant de différentes langues. Cela était ma première expérience au sein d'une équipe multiculturelle. J'ai vécu des moments qui ont changé ma perspective de vie. J'étais tellement intriguée, intéressée et impressionnée. Il y avait une certaine magie dans cette boulangerie et cette magie était générée dans l'ensemble des gens qui y travaillaient. Voilà mon moment numéro 2 de vie. Après 2 ans à Victoria, je suis retournée à Bathurst. La pensée était un peu nébuleuse, mais j'avais le besoin de retourner à la maison. Avec l'expérience acquise à la boulangerie, j'ai pris un poste de gestion dans un magasin de musique. Oui, un magasin de musique. C'était très populaire dans le temps, car c'était le seul moyen de se procurer de la musique. Bon, ça fait, c'était soit sous la forme d'un album, des cassettes ou même des CD qui s'étaient établis comme standard de distribution dans le temps. Je suis certaine qu'il y en a plusieurs d'entre vous qui se doivent certainement dire « C'est quoi une cassette? C'est quoi un CD? Ou un album? » Les gens de mon âge le savent. Fait, après 1 an, j'ai accepté de prendre un transfert pour cette compagnie à Ville-Saint-Laurent, sur l'île de Montréal. Mais 1 an plus tard, je suis revenue à Bathurst pour une 3e fois avec la même entreprise. À ce moment-là, j'avais fait une observation très intéressante. Ayant pris l'occasion à 2 reprises d'explorer le monde extérieur, loin de ma patrie, il y avait un sentiment que je devais retourner au berceau. Les raisons claires et lucides m'échappaient, mais l'instinct me disait que mon avenir allait jouer dans ma région natale. Sous peu, j'ai rencontré un homme charmant qui deviendrait éventuellement mon partenaire de vie. Michael est devenu ma pierre angulaire et moi la sienne. À l'âge de 25 ans, j'avais le désir de retourner aux études. Sans hésitation, il m'a appuyée dans mes démarches. Il m'a encouragée et soutenue lors de mes études. On dit administration des affaires maintenant, mais dans le temps, c'était commis dactylo bilingue. On avait une machine qui tapait. Là. On n'avait pas des ordi dans le temps. On avait vraiment le clavier qui fait F, 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 espace, et on traversait. une fois mes études complétées, j'ai obtenu un poste avec Post Canada dans leur première centre d'appel à Fredericton. À titre de démonstration de la symbiose entre nous, Michael est alors aussi retourné aux études, lui au campus de Saint-Jean de NBCC, dans un programme de technicien en pharmacie. C'était alors à mon tour de l'appuyer, ce que j'ai fait sans réserve. Durant ce temps, nous avons coordonné nos efforts de se voir le plus souvent possible, tout en respectant nos obligatoires individuels et en s'appuyant mutuellement. Mon moment déterminant de vie numéro 4. Après ces études, nous sommes revenus à Bathurst afin de s'établir pour de bon, chacun avec un emploi relié dans nos domaines d'études. Nous sommes mariés et nous avons 2 enfants que nous adorons. À l'âge de 35 ans, mariée avec 2 jeunes enfants de 3 ans et 6 ans, et encore mon emploi à temps plein, je choisis de retourner aux études pour compléter ma certification en ressources humaines avec UNB Extended Learning. Depuis 2005, j'ai cumulé des fonctions au sein des organismes. J'ai été directrice dans un centre d'appel pendant 16 ans avec 320 employés et plus, agente de développement de la main-d'œuvre chez Entreprise Chaleur, directrice de développement économique et de programme de mentorat pour entrepreneurs migrants à la Chambre de commerce,
directrice générale à l'Association médico-culturelle Région Chaleur. Et maintenant, je suis présentement la coordinatrice de La Ruche, qui est encore le programme de mentorat pour entrepreneurs et migrants avec l'Association médico-culturelle. Aussi, en 2016, j'ai choisi de me lancer dans l'arène politique. Je fus élue comme conseillère à un conseil municipal de Bathurst. Et en 2021, je me suis dit, pourquoi pas, j'essaye comme mairie et j'ai été élue comme mairesse de cette belle et vibrante municipalité. Dans l'ensemble de ces postes, il y a des liens intrinsèques, tout avec impact sur la ville et la région Chaleur, le développement économique, le soutien aux immigrants qui s'établissent dans la région et ceux qui souhaitent assumer un rôle d'entrepreneurial, le développement de la main-d'œuvre, le mieux-être de la collectivité et l'épanouissement socioculturel de notre belle région. Tous sont devenus des éléments importants de ma raison d'être professionnelle et ont moulu ma philosophie de vie. Cet collectif était devenu mon moment déterminant numéro 5. On va aller. J'essayais de vraiment m'organiser, que j'étais plus organisée ça. C'est ça, OK. L'évolution personnelle est une démarche qui se veut laborieuse, mais elle est significative et gratifiante. De simples moments anodins peuvent être de forts déclencheurs dans la formation de nos philosophies, nos valeurs et nos convictions. Nous n'avons pas le contrôle de notre destin, mais nous sommes maîtres de notre identité et de nos choix. Il nous appartient alors à tous et à toutes d'accepter de faire ce regard intérieur, d'analyser en continu et de modifier nos approches de vie en concert de nos nouvelles découvertes personnelles. Les ultimes bénéficiaires seront nos valeurs personnelles et notre vocation professionnelle. Donc, dans ce contexte, je vous offre une synthèse des moments déterminants de vie que j'ai identifiés comme piliers personnels. Je n'irai pas en détail, mais la persévérance, l'ouverture d'esprit, l'engagement communautaire et collectif, l'appui de notre entourage, votre apprentissage perpétuel. À tout moment de votre vie, vous pourrez observer des situations avec impact positif ou négatif qui se veulent des éléments de formation continue par rapport à vos connaissances, vos valeurs et vos convictions. Elle semblera parfois minime ou difficile à identifier, mais ce sont tous des éléments qui vous permettront de croître personnellement et professionnellement. Embrassez tous ces moments avec sincérité, car ils seront partie de votre cheminement. Je tiens à tout cœur de vous féliciter pour votre réussite éducationnelle, qui sera couronnée avec l'obtention de votre diplôme aujourd'hui. En soi-même, un grand moment déterminant de votre vie, alors bravo, bravo, bravo. Je vous remercie d'avoir offert ce moment que je puisse partager avec vous, à toutes et à tous, un merveilleux cheminement de vie personnelle et professionnelle. Et en espérant que nos gradués de la région Chaleur se trouvent un emploi et continuent de vivre parmi nous. Fait aux employeurs, s'il vous plaît, donnez la chance aux jeunes gradués et essayons de les garder avec nous s'ils choisissent. Merci. Bonne journée. J'invite M. Caron à venir remercier l'ovatrice invitée et lui remettre un cadeau symbolique. Au nom de l'ensemble des finissantes et finissants, j'aimerais remercier Mme Chamberlain pour ce message inspirant. Notre futur nous appartient, et si on juge d'après votre parcours, en travaillant fort, tout est possible. Merci de faire partie des ambassadrices de renommée de notre belle région. En guise d'appréciation pour votre contribution de taille à cette cérémonie, j'aimerais vous remettre un cadeau que j'aimerais vous présenter premièrement.
C'est une œuvre d'art qui a été créée par une artisane de la région de Bathurst. Puis, lorsqu'elle a été créée, il y a un petit mot qui l'accompagne, puis je vais vous le partager pour que vous puissiez comprendre qu'est-ce que ça représente. Au sommet de la colline bordée par la baie, le collège, symbole de savoir et de détermination, se dresse fièrement ses murs chargés d'histoire et de souvenirs. Empreint de couleurs douces et de lumière tamisée, capturé par l'aquarelle délicate de l'artiste Candice Otruski, cette toile témoigne de la richesse historique de notre chère ville et trouve maintenant sa place dans les mains de notre mairesse. Lors de cette cérémonie de fin d'études, entourée de jeunes esprits remplis de rêves et de possibilités infinies, notre mairesse reçoit cette œuvre d'art comme un hommage bien mérité. C'est un rappel tangible de sa contribution précieuse et un encouragement à poursuivre ses efforts pour développer notre ville et la faire rayonner. Que cette toile aquarelle demeure un symbole vivant de notre histoire et de notre avenir, tout en inspirant les générations à venir. Madame Kim. Chères finissantes et finissants, il est maintenant le temps de récompenser vos efforts. Merci de porter une attention particulière aux consignes suivantes, car voici le moment de vous expliquer le déroulement de la remise des certificats et des diplômes. Le doyen ou la doyenne de chaque école prendra place où je suis actuellement afin de nommer à tour de rôle les finissantes et finissants présents en ordre de programme d'études. Les hôtesses vont vous guider dans l'ordre lorsque ce sera votre tour de vous avancer. Une fois que votre nom est nommé, vous avancez pour rencontrer le président-directeur général, M. Zundel, qui vous remettra votre certificat ou votre diplôme, assisté par Mme René-Claude Albert. Le photographe prendra une photo de chaque finissante et finissant. Le lien de téléchargement de votre photo numérique vous sera envoyé par courriel à monccnb.ca dans les prochaines semaines. Ensuite, vous descendrez de l'estrade par l'allée centrale en retournant à votre siège. Vous êtes invité de porter le mortier, votre chapeau, avec la pampille, la frange attachée à votre mortier. Celle-ci doit être du côté droit. À la fin, il y aura une petite cérémonie symbolique officialisant que vous êtes maintenant des diplômés. À titre informatif, un certificat est attribué aux personnes qui ont réussi un programme d'un an. Un diplôme est attribué aux personnes qui ont réussi un programme de 2 ans ou plus. Une mention d'honneur, identifiée par un astérisque dans le programme numérique, accompagne le nom de chaque personne qui a terminé avec une moyenne cumulative pondérée de 90 % et plus pendant la durée du programme. C'est maintenant le temps attendu. Nous invitons maintenant le doyen de l'École des TIC, Technologies et Transports, M. Alain Lamarre, à présenter les finissantes et finissantes de son école. Recevant un diplôme au programme de technologie du génie mécanique, Cheikh Oumar Camara, Côte d'Ivoire. Noami Duguay Richardson, Alderwood.
Mouab Elmin Anin Maroc. Hugo Kingsborough, Portneuf, Québec, mention d'honneur. Joachim Mouva Motana, République démocratique du Congo. Ilyas Nadir, Maroc. Frank José Gingen, Maroc, Cameroun. Tommy Savoie, Miramichi. Juste Miguel Sawadogo, Burkina Faso. Mamadou Moustapha Sek, Sénégal. Recevant un diplôme du programme de technologie du génie électronique, Chris Bali, Côte d'Ivoire. Adam Blanchard, Landry Office, mention d'honneur. Recevant un diplôme au programme de technologie du génie du soudage, Emmanuel Ninji, Jean-Serge Hama, Côte d'Ivoire, mention d'honneur. Joël Fodjo Fosso, Cameroun. Ala Ibrahim, Tunisie. Ruth Yetenben, Nubisi, Cameroun. Recevant un diplôme au programme de technologie de l'ingénierie du bâtiment, Salamita Bereté, Côte d'Ivoire. Ismaël Kader Koulibaly, Côte d'Ivoire. Lassina Diakété, Côte d'Ivoire. Moussa Doumbia, Côte d'Ivoire. Adama Dram, Sénégal. Anaël Goran, Côte d'Ivoire. Michael Toko Dougu, Cameroun. Scott Tremblay, Batters.
Recevant un diplôme au programme de réseautique et sécurité informatique. Yacine Bahamada, Maroc. David Caron, Saint-Quentin. Mathieu Doucette, Batters. Jason Gauthier, Charlot. Jérôme Martin, Tétagouche Nord. Abdoul Aziz Renewal Oudrago, Burkina Faso. Omar Retal, Maroc. Jérémy Roy, Petit Rocher. Recevant un diplôme du programme de programmation et applications mobiles. Aya Amar, Maroc, mention d'honneur. Philippe Adigone, Côte d'Ivoire. Kenza Aloui, Maroc. Soufiane Amrait, Maroc, mention d'honneur. Souleymane Ba, Guinée. André Raphaël Boudreau, Dauversière. Fatia El Ouachouri, Maroc, mention d'honneur. Jean Jaurès, Guigby, Côte d'Ivoire. Ousenia Meriane Kengep, Doua, Cameroun. Michel Ange Nieng Cameroun, mention d'honneur. Oussama Rezouk, Maroc. Chiad Edine Roubi, Algérie. Alexandre Savoie, Village Blanchard, mention d'honneur. Man Morouad, Sénégal. William Wamba, Pomkam, Cameroun. Paul Junior Wachatina, Cameroun. Brice Martial Yudum Kamla, Cameroun, mention d'honneur. Recevant un diplôme du programme Internet des objets,
Anis Walshen Ajeri, mention d'honneur. Biled Bajayi, Tunisie. Frank Yuko Ujuan, Cameroun, mention d'honneur. Loïc Tanque, Magmania, Cameroun. Duvalier de la Roche, Sakomo, Noutangue, Cameroun. Cédric Sanchez, Yonta, Émilie, Cameroun. Recevant un diplôme au programme d'analyse de données, Kader Abed Chipagan. Jean-Philippe Élisée Bikaba, Côte d'Ivoire. Debo Kotomba Elunga, République démocratique du Congo. Mélie Lado, Cameroun. Angélie Steve Nguele, Cameroun. Anis Zegada, Algérie, mention d'honneur. J'invite maintenant la doyenne, Mme Julie Cyr, à prendre place pour présenter les personnes finissantes de l'École des sciences de la santé. Alors maintenant, recevant un diplôme au programme de soins infirmiers auxiliaires, Marie-Pierre Boudreau, Petit Rocher, mention d'honneur. Jean-Patrick Ferron, Lamec. Michel Durel, Kenzo Uomo, Cameroun, mention d'honneur. Jessica Kelly Lalonde, Brentville, mention d'honneur. Gérardine M. Mouako Djoui, au Cameroun. Arabella Odeni Omo Tayo, Belgique, mention d'honneur. Amélie Perrault, Village des Poiriers, mention d'honneur. Maintenant, recevant un certificat au programme de services de soutien en soins infirmiers, Gisèle Atibita Njoli, Cameroun.
Kumba Diokou, Sénégal. Hadia Diong, Sénégal. Héloïde Djouikomkoa, Cameroun. Mosiha Kindra Teresa Camille Kofi, Côte d'Ivoire. Lisa Sikatenda Milunga, République démocratique du Congo. Kevin Cynthia Yonga Ndakam, Cameroun. Emeline Okpe Zomahoun, République du Bénin. J'invite maintenant le doyen, M. Gérald Lauzier, à prendre place pour présenter les personnes finissantes de l'École des pêches et des ressources naturelles. Recevant un diplôme au programme de technique minière exploitation. Florent Landry, JOBC, Cameroun. Bénédicte Kom Kenomong Pongi, Cameroun. Michel Jordan Pacop Lanco, Cameroun. Bilal Saad Daoui, Algérie. Afoui Virginie Zampaligré, Côte d'Ivoire, mention d'honneur. Maintenant recevant un diplôme au programme de technologie de l'environnement. Cheknin Yo Ida Unis, Koulibaly, Côte d'Ivoire. Prisa Paola Jandio Kombu, Cameroun. Axel Armand Davila Mbele, Côte d'Ivoire. J'invite maintenant le doyen, M. Michel Caron, à prendre place pour présenter les personnes finissantes de l'École des métiers. Recevant un certificat au programme d'usinage de matériaux, machiniste, Noah Alain Néguac. Olivier Sean Basque Dieppe. Niaina Pitiavana Rakoto Monen Janari, Madagascar.
Recevant un diplôme au programme de technologie de l'instrumentation et de l'automatisation. Hamid Gadri, Algérie. Steven Nemde Tchoukalou, Cameroun, mention d'honneur. Driss Wagdouch, Maroc. Jean-Denis Rail, Lamec. Recevant maintenant un certificat au programme de soudage. Noah Blanchard, Saint-Léolin. Alexis Bourgoin, Saint-André. Habib Richard Campaoré, Côte d'Ivoire. Yannick David Petit-Rocher, mention d'honneur. Mathis Carey, Rivière-la-Truite. Adama Kone, Côte d'Ivoire. Mohamed Lamine Lassissi, Côte d'Ivoire, mention d'honneur. Sébastien Cuny Menga, République démocratique du Congo. Brice Herman Mouafo Mombou, Cameroun. Israël Mumbalumete Miompi, République démocratique du Congo. Zachary Saunier Leboutier, Alderwood. Édouard Tachoua, Cameroun. Christian Thériault, Saint-Basile. Recevant maintenant un certificat au programme de plomberie et tuyauterie. Mouadou Mansour, Cissé, Sénégal. Mamadou Diallo, Guinée. Jamie Lavigne Boudreau, Nicolas Denis. Fernand Allard Leclerc, Brentville.
Jérémy Mallet, Caraquette. Lucas Roussel, Rivière du Portage. Recevant maintenant un certificat au programme de mécanique industrielle, Millwright. Jonathan Bérubé, Tête à gauche Nord. Alexandre Boudreau, de Madran, mention d'honneur. Rémi Brideau, Pointe-Verte, mention d'honneur. Jesse Caillouette, Elle River Crossing. Alex Chiasson, Dieppe, mention d'honneur. Miguel-Jean Collin, Pointe-Verte. Maxime Comeau, Pointe-à-Tom, mention d'honneur. Ousmane Dia, Mauritanie. Stécia Getsa, Cameroun, mention d'honneur. Henri Lévesque, Saint-Anne-du-Manawaska. William Jeffrey Mamkop, Kendo, Cameroun, mention d'honneur. Anthony McLaurin, Pouc-Mouche. Samuel Michaud, Saint-Basile. Maxime Ouellet, Edmundston. Joey Savoie, Rivière du Portage, mention d'honneur. Tommy Saunier, Tracadie-Chaila. Jonathan Thériault, Edmundston, mention d'honneur. Michael Thériault, Saint-Joseph de Madawaska, mention d'honneur. Recevant maintenant un certificat au programme de mécanique de véhicules récréatifs, Gabriel Haché Savard, Beresford. Marc-André Legacy, Sainte-Rosette. Recevant maintenant un certificat au programme de mécanique de machine fixe, Rémi Thibault Saint-Maur. Tisserie Andriani Bonnard, Madagascar. Du programme de mécanique automobile. Sébastien Beaulieu, Grand Sault. Jean-Sébastien Benoît, Rivière du Portage, mention d'honneur.
Luc Benoît Tracadie. Baptiste Beuzeville, France. Anthony Cyr Edmundston. Ousmane Diokou, Sénégal. Mégane Dufour Edmundston. Ahmed Fall, Sénégal. Laurie Priolet, Caraquette, mention d'honneur. Marc-Antoine Godin, Notre-Dame des Érables. Maxime Leblanc, Petit Rocher. Luc Leclerc, Rivière du Portage. Claude Mercier, Balmoral. Jérémy Michaud, Edmundston. Myriam Murray, Passe-Pébiac, mention d'honneur. Hugo Roussel, Gauvin, Alorville. Marco William Sécu Mimba Cameroun. Robert Thériault Chipagan. Maxime Terrien Edmundston. Nathan Thibodeau, Edmundston. Recevant maintenant un certificat au programme de mécanique de camions et remorques. Chick Amasatou, Gay, Sénégal. Robert Mato Abba Guinée. Walid Andou Maroc. Alex Sirois Grandsault. Wilfried Harrison Tella Cameroun. Recevant maintenant un certificat au programme mécanique d'équipement lourd. Jonathan Bélanger, Boca Raquette, mention d'honneur. Hernandez, Sus, Haïti. Audrey Dachua, Cindy, Cameroun. Mathis Fournier, Dunlop, mention d'honneur. Nick Morel, Kameni, Chalut, Cameroun.
place Ramsès Kenny Tiambou, Cameroun. Jérémy Mallet, Saint-Léolin. Georges Junior, Cameroun. Fidèle Lionel Tazo, Cameroun. Recevons maintenant un certificat au programme de fabrication métallique et soudage. Hugo Chiasson, Rang-Saint-Georges. Dylan Gionnet, Six Roads. Xavier Haché, Pointe-à-Bouleau. Yvan Jordan Kef Fouetza, Cameroun. Maxime Richard Dieppe. Pierre-Luc Robichaud, Négouac, mention d'honneur. Samuel Robichaud, Dieppe. Casey Walker, Saint-Anne-de-Madawaska. Recevant maintenant un diplôme au programme d'électromécanique et de systèmes automatisés. Heyman Bougayataya, Maroc. Jérémy Coton, Charlot, mention d'honneur. Mamadou Lamine Dia, Sénégal. Jospin Jogang Dongmo, Cameroun. El Kiati Lakali, Maroc. Willy Frank Nunjom Fezu, Cameroun. Recevons maintenant un certificat au programme d'électricité. Fabien Charlot, Le Goulet, mention d'honneur. Recevons maintenant un certificat au programme de débosselage de peinture et de carrosserie. Chloé Célie, Chic, Tidiane, Diaroussouba, Côte d'Ivoire. Zachary Patrick Duguay Tragadi. Adou Arves Trinité Cassie Côte d'Ivoire. Clovis Kwanu Mamkop Cameroun. Tommy Michaud Edmundston. J'invite maintenant le doyen, M. Pierre Clavette, à prendre place pour présenter les personnes finissantes de l'École des études préparatoires et des langues.
Kofi Frank Junior Yao, Côte d'Ivoire. Recevant un diplôme au programme de compétences essentielles au secondaire pour adultes, Roger Casey Bathers. Karen Doiron, Val d'Amour. Recevant un diplôme au programme Academic Studies, Denise Oulaboudreau, Bathurst. J'invite maintenant le doyen, M. Gérard Lausier, à prendre place pour présenter les personnes finissantes de l'École des arts, hospitalité et services communautaires. Recevant un certificat au programme d'éducation à l'enfance, Vicky Bossé, Edmundston. Cassandra Landry, Paris, Bathurst, mention d'honneur. Isabelle Plourde, Beresford. J'invite la doyenne, Mme Marie-France Bérubé, à prendre place pour présenter les personnes finissantes de l'École des affaires et de la bureautique. Recevant un certificat au programme de travail général de bureau, Modeste Yao Asigbe, Togo. Sophie Como, Bathurst. Kanidan Julia Koulibaly, Côte d'Ivoire. Zoumana Diallo, Mali. Mataya Godin, Petit Rocher. Kevin Ginel Paradis Mabilia, République du Congo. Joanie Roy, Beresford. Noémie Savoie Como, Rivière du Portage. Ismaël Telly, Mali. Paola Lena Yati Mambeso, Cameroun. Recevant un diplôme au programme d'administration des affaires comptabilité, Mandy Lynn Boudreau, Bathurst, mention d'honneur. Nelly Michel Jinky Nando, Cameroun, mention d'honneur. Hassan Saïd Foukam Daouda, Cameroun. Trouon Colombe Allison Gallet. Côte d'Ivoire. Marie-Soleil Haché, Sainte-Marie-Saint-Raphaël, mention d'honneur.
Kevin René Mosto-Simo, Cameroun. William Konjo Sidi, Cameroun. Julie Karen Kouesta Wanake, Cameroun. Hamza Maroufi, Maroc. Mireille Alexandra Marvel Ngono Esomba, Cameroun. Mariana Ngisama, pardon, Zigama Sabo, Burundi. Rolf Yumbi Safak, Cameroun. Recevant un diplôme au programme d'administration des affaires, administration, Hadji Baradji, Mali. Pascal Como, Bathurst. Mohamed Kodé, Côte d'Ivoire. Justin Lagacé, Bathurst. Camille Le Breton, Caraquet. Vanel Makamso, Cameroun. Jean Pecos Ngoufo Nuchawo, Cameroun. Mesmer Soki Bazunga, Zaki, République démocratique du Congo. Guillaume Simard, Bathurst. Ornella Ousseni Safi, République démocratique du Congo. J'invite maintenant le directeur de la gestion intégrée des inscriptions et registraires, M. Juan Manuel Toro Lara, à venir vous expliquer le déroulement de la cérémonie de la pampille. Chers diplômés, et chers diplômés, vous êtes notre fierté. Félicitations pour votre succès. Je vous invite avec enthousiasme à participer à la cérémonie de la pampille, un événement empreint de fierté,
de partage et de célébration. Vous allez clôturer cette étape mémorable de votre parcours académique avec style et émotion. Est-ce que les appareils photo sont prêts? OK. Donc, tout d'abord, j'invite les diplômés et les diplômées à se lever, s'il vous plaît. Donc, vous devez porter les mortiers et la pampille à votre droite. Et à mon signal, lorsque je vais compter jusqu'à 3, vous allez faire qu'est-ce que j'ai fait tout de suite. Vous allez les déplacer vers la gauche. Quoi? Donc, les diplômés portent la pampille à la gauche. Le moment qu'on va vivre ensemble signifie, c'est un moment symbolique qui signifie que vous allez passer d'étudiant à diplômé. La cérémonie est très simple. À mon signal, vous allez transférer la pampille de la droite vers la gauche. Vous allez attendre que je vous donne le signal. Mesdames et messieurs, au nom du Collège communautaire de Nouveau-Brunswick, Campus des Bachelors, je vous présente nos récipiendaires de diplômes et de certificats à l'occasion de cette cérémonie de fin d'études. 1, 2, 3, gauche. On les applaudit. On les applaudit très chaleureusement, s'il vous plaît. Merci, M. Torolara. Nos chers diplômés, nos plus sincères félicitations. Nous invitons maintenant la porte-parole de la cohorte 2023, Mme Laurie Friollet, certifiée en mécanique automobile, à venir vous livrer son message. Distingués invités, enseignants, enseignantes, membres du personnel, parents, amis et vous, chers diplômés, bienvenue à cette agréable cérémonie de remise de diplômes. Je m'appelle Laurie Friollet, diplômée en mécanique automobile. C'est un honneur pour moi de vous adresser ces quelques mots en tant que porte-parole des finissants et finissantes. Réalisez-vous jusqu'où nous sommes rendus, gradués, avec un certificat ou un diplôme à la main, prêts à plonger dans le monde du travail, à côté de gens qui étaient inconnus au départ, et qui sont maintenant devenus collègues ou de bons amis. Soyons fiers du trajet qui nous a menés jusqu'à aujourd'hui. Lors de notre formation, nous avons découvert ce dont nous sommes capables, nos forces, nos faiblesses et nos qualités. Pour moi, ceci a surtout été une année où j'ai pu me surpasser, faire tout plein d'apprentissages, créer de nouveaux liens d'amitié et apprendre sur le métier que j'aime grâce à des enseignants vraiment dévoués. On vous aime bien gros. Que tu aies choisi ton programme par intérêt, par le désir d'approfondir tes connaissances sur un sujet que tu aimes, ou parce que tu as voulu essayer quelque chose de nouveau, ça mérite une main d'applaudissement pour tout le cheminement que tu as fait. Il n'y a pas si longtemps, on visitait le campus, on avait besoin d'être guidé pour ne pas se perdre. Maintenant, on le connaît sur le bout de nos doigts. Nous sautons dans une nouvelle étape de notre vie, nous avons acquis des connaissances et développé des compétences tout au long de notre parcours pour nous préparer à ce jour-ci. Je suis fière d'être parmi vous et de faire partie de la classe 2022-2023 du CCNB Bathurst. Ce n'est pas ici que ça s'arrête, au contraire, ce n'est que le commencement. C'est maintenant le temps de foncer et de mettre en pratique tout ce que nous avons appris. Un de mes profs m'a déjà dit, ceci n'est qu'une petite étape comparée à ce qui s'en vient. Et c'est vrai. Cette expérience nous a permis de nous professionnaliser dans un domaine avec des enseignants motivés et passionnés par ce qu'ils enseignent. Puis, ça se voit quand un professeur effectue un travail et que ça vient du cœur.
Telle une fleur ne peut pousser sans la pluie et le soleil. Un étudiant ne peut s'épanouir sans l'environnement propice. Mais grâce à une équipe comme celle de notre campus, ça a été plus facile d'être guidé et soutenu de notre parcours. Et ce, malgré les défis. Je tiens à dire un gros merci aux membres du personnel, à la direction, aux dames de la cafétéria qui étaient au rendez-vous chaque matin avec des déjeuners prêts pour les étudiants, aux concierges qui gardaient nos lieux de rencontre propres et organisés, et à tous ceux et celles qui ont fait notre passage au CCNB le meilleur pour nous tous. Au nom de tous les étudiants, je vous remercie. Il ne faut pas oublier la famille, les parents et les amis qui sont restés à nos côtés. Tout ceci malgré la distance. Votre support a été primordial à notre réussite. Quelquefois, on avait juste besoin d'un peu d'encouragement et de se faire rassurer pour continuer. Ça n'a certainement pas toujours été facile, mais si aujourd'hui on est là, à notre graduation, c'est qu'on a réussi à surmonter un tas de choses. Bravo tout le monde. Maintenant, plusieurs portes s'ouvrent à nous tous. C'est à notre tour de se lancer et profiter des occasions qui vont se présenter à nous. Qui sait où ça peut nous mener? Et c'est ce qui est fascinant de la vie. Des opportunités nous seront proposées et c'est ce que nous choisirons d'en faire qui déterminera la suite. Ceci n'est que le début de notre parcours. Pensons pour le meilleur. Bravo à tous les diplômés. Merci beaucoup. Merci, Mme Friollet, pour ce message inspirant et bonne continuité dans votre projet vicariat. Vous savez, maintenant, lorsque l'on fait le choix de s'investir dans un projet d'études postsecondaires, beaucoup de temps et d'énergie est consacré à notre réussite individuelle. Au CCNB, la vie collégiale permet de s'épanouir tant au plan professionnel que professionnel. Chaque jour, tous les membres du personnel, et spécifiquement les enseignants et enseignantes, travaillent avec et pour les étudiants et les étudiantes afin de soutenir la réussite de leur projet vicariaire. Le collège tient à attribuer des prix de mérite aux finissants et finissantes qui se sont démarqués au cours de leur année d'études. La première mention de reconnaissance est le prix de mérite du doyen du campus. J'invite M. Caron à s'avancer pour remettre ce prix. Ce prix de mérite vise à reconnaître un ou une diplômée qui a suivi un cheminement personnel remarquable. Le prix souligne également la participation aux activités collégiales, l'engagement dans la vie communautaire, le leadership parmi ses pairs, tout en maintenant un très bon rendement académique durant son séjour à notre campus. Cette année, le doyen du campus de Bathurst décerne son prix de mérite à une diplômée du programme Programmation et applications mobiles. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la récipiendaire est Mme Fatia El-Bouchouari. Nous demandons à Mme El-Bouchouari de s'avancer pour recevoir son prix. Félicitations à Mme El-Bouchouari et merci, M. Caron. La deuxième mention de reconnaissance est le prix de persévérant. J'invite M. Pierre Clavet, doyen des écoles des études préparatoires et des langues, à s'avancer pour remettre ce prix. Ce prix de mérite vise à reconnaître un ou une diplômée qui a suivi un cheminement remarquable, a démontré de la persévérance dans la poursuite de ses études conduisant au diplôme d'études secondaires ou a terminé avec succès le programme de compétences essentielles au secondaire pour adultes. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la récipiendaire du prix de Persévérant est Karen Doiron. Nous invitons Mme Doiron à s'avancer pour recevoir son prix.
Félicitations, Mme Doiron, et merci, M. Clavet. La troisième mention de reconnaissance est le mérite académique de la présidence-direction générale. J'invite le président-directeur général, M. Pierre Zundel, à s'avancer. Les critères d'attribution de ce mérite sont basés sur la plus haute moyenne pondérée cumulative. La reconnaissance souligne également les meilleurs résultats dans un programme d'études postsecondaires d'un an menant à un certificat du collège. Cette année, le mérite académique de la présidence-direction générale est décerné à une étudiante du programme mécanique industrielle Millwright. Cette dernière a réussi son programme en conservant une moyenne pondérée cumulative de 95,773%. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la récipiendaire est Mme Stécia Guesta. Félicitations, Mme Guesta, et merci, M. Zundel. La quatrième mention de reconnaissance est la médaille du gouverneur général du Canada. Cette médaille s'accompagne d'un certificat. Nous invitons son honneur, l'honorable Brenda Murphy, lieutenant gouverneur du Nouveau-Brunswick, à s'avancer. La médaille du gouverneur général est l'une des plus prestigieuses distinctions reçues par un ou une diplômée qui représente le meilleur rendement académique dans un programme de 2 ans ou plus. La lauréate est diplômée du programme Administration des affaires, comptabilité. Elle a réussi son programme en conservant une moyenne pondérée cumulative de 96,320%. Nous avons le plaisir de vous annoncer que la lauréate 2023 de la médaille du gouverneur général est Marie-Soleil Haché. Nos félicitations à Mme Haché et merci son honorable Brenda Murphy. Notre cérémonie tire à sa fin. Toutes nos félicitations à la cohorte 2023. Au nom de la cohorte 2023, nous vous remercions d'avoir assisté à la cérémonie de fin d'études du Collège communautaire du Nouveau-Brunswick. Au nom du campus et des diplômés, nous tentons à reconnaître et à remercier tous les membres du personnel pour leur engagement et leurs efforts au cours de l'année collégiale et pendant la préparation de cette cérémonie. Nous vous invitons à venir partager un léger goûter et profiter des décors pour prendre des photos avec les diplômés. Nous demandons aux récipiendaires de prix, soit Fatifa El-Bouchouari, Karen Doiron, Stécia Guesta et Marie-Soleil Haché de bien vouloir revenir sur l'estrade pour des prises de photos officielles immédiatement après la cérémonie. Enfin, pour procéder à la sortie, des guides vont indiquer aux diplômés l'ordre de sortie. Nous demandons aux gens de bien vouloir rester à leur place jusqu'à la fin du défilé. Merci à tous et bonne fin de journée. Devant l'image est belle, y'a pas à se plaindre. On est tous réunis pour fêter la même fête. Un à un, on passe cueillir le fruit de nos efforts. Avec un sourire d'en face, on célèbre notre moment de gloire. Dans tous les yeux, une larme. Perché sur le bord, prêt à sauter de fierté, les émotions débordent.
Ça y est, c'est fait, on l'a fini. C'est là que commence la vraie vie. On ouvre les portes de notre avenir, pour le meilleur et pour le pire. On s'est levé à chaque matin, et aujourd'hui, ben c'est la fin. Même si chaque fin est un début, on s'en va peut-être bien plus. Mais je tiens quand même à vous souhaiter une belle vie, de l'amour puis de travailler. Oubliez le bonheur puis la santé. Ça passe trop vite, déjà le temps de se dire au revoir. On a fait des belles rencontres, on s'est créé des mémoires. Une marche de plus a été gravie dans l'escalier de notre succès. On gagne notre ciel petit à petit, et on se rapproche de nos rêves. On s'est levé à chaque matin, et aujourd'hui, ben c'est la fin. Même si chaque fin est un début, on s'en va peut-être pas plus. Mais je tiens quand même à vous souhaiter une belle vie, de l'amour, sans oublier le bonheur puis la santé. Perché sur le bord, prête à sauter de fierté, les émotions débordent. Ça y est, c'est fait, on l'a fini. C'est là que commence la vraie vie.